bienvenue dans Corsair TV pour l'émission numéro 5. Vous vous demandez ce que je fais? Eh bien, je meurs. Non, plus sérieusement, nous sommes à la place Lemens pour la fête de la place Lemens et plutôt mourir asphyxié que de rater une seule activité. Défilé, concert de la T-Steam, spectacle de danse orientale, démonstration de capoeira, il va me falloir une endurance d'athlète de compète pour ne rien louper. Arrête! Allez plus fort, Pauline! Allez, Pauline! Vous êtes prêts? Ok, go! Comment allez-vous? Bienvenue à tous à la fête annuelle du quartier Lemens Rosé. Une fête à la place Lemens et aussi au parc. La place Lemens, vraiment méconnaissable. Il faut venir voir ce qui se passe ici au lieu de peut-être rester en retrait et d'entendre ce qu'il se dit à travers les médias et tout ça, mais ça ne rend vraiment pas compte de la richesse qu'il y a dans ce quartier. Alhamdulillah, elle est bien, il y a beaucoup de gens, il y a le soleil, on en profite bien ici. Je vais pas les arrêter. Avec le quartier, les jeunes du quartier ici. Donc, comme vous avez pu sûrement le voir à travers quelques images, il y a un tas d'activités ici, autant dans le parc que sur le podium. 1, 2, 3. Fête réussie, donc c'est du no comment, j'ai envie de dire, parce que on ressent vraiment la solidarité, le partage, la convivialité, l'amitié, etc., entre partenaires, entre habitants. Oh là là, elle a l'air super cette fête. Et le reportage après aussi? Nous sommes étudiants en français du CPS d'Ixelles. Nous allons présenter cette mission 5. Viens, venez dans notre classe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, ah oui. Qu'est-ce que c'est? Balançoire. 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 Ah oui, c'est juste... Comment s'appelle le jardin où il y a des singes, des lions, des éléphants, zoo. Beaucoup d'animaux? Zoo. Ici, on a quand même... beaucoup de réfugiés, c'est-à-dire de gens qui sont arrivés de manière illégale ou dans des situations extrêmes en Belgique. Et puis il y a aussi des gens qui sont là depuis très longtemps, qui ont même la nationalité belge, mais qui, parce qu'ils travaillent dans un milieu qui est assez fermé, qui ne sont pas beaucoup sortis de leur quartier, ne parlent pas du tout bien en fait. Bonjour, je suis Belinda Antui, je vis au Ghana, je suis ici 6 ans. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est... Le toit. Le toit, oui. J'ai parlé un peu français, pas bien, mais un peu... Bananas. Pourquoi bananas? C'est ce de bananes. Ça, c'est... Pomme. Je suis Alfredo Passana, j'ai né en Uruguay. Là où j'habite, en Bruxelles, pour un an. Je suis chef cuisinier. Oh, c'est quoi ça? Banane. Viens, banane, viens ici. C'est ça? C'est pas normal, arbre, c'est pas un bananier. Okay, un bananier, c'est pas vraiment comme ça. Hein. Okay. C'est différent. C'est pas un banana. Banana, c'est ça. Oui, ça a rien à voir. Hein. Mais bien sûr, un arbre à banane. Beaucoup d'arbres. L'arbre et l'arbre. De l'herbe et l'arbre. Ah, oui. Je suis Ali Khalil. Je suis ici dans 8 mois. Maintenant, dans l'école, il y a 2 semaines. Je pense un peu difficile, mais c'est bien. J'espère que ça fait bien après. Salut Asmi, on sort ce soir? Oui, c'est lié à un concert et une exposition à la boutique culturelle. Mais non, on va au stade, il y a un match Gang Standard. Non, je suis très fatiguée de foot. C'est toi qui payes le ticket?
Combien ça coûte un concert? C'est gratuit. Gratuit? Oui. On y va vite. Allez. Voilà, on est en fait dans la cour de la boutique culturelle qui se trouve rue Van Lint, numéro 16, en plein cœur de Kurogen. Alors nous, on est un petit peu les originaux du quartier puisque nous sommes en fait un espace socio-artistique. Dans socio-artistique, il y a social. Pourquoi? Parce qu'on est une association reconnue par la cohésion sociale, et artistique parce que nous, on a envie de faire plaisir aux gens du quartier en organisant des expositions, des concerts, des événements artistiques avec les associations. C'était un peu un hall d'entrée sur le monde artistique chez nous. Donc on n'est pas le Beaux-Arts, on n'est pas le Botanique non plus. On essaye donc d'avoir à cœur que les gens puissent venir de manière relativement simple chez nous, que ce soit parce qu'on est bien placé géographiquement, donc on a des trams, des transports, que ce soit parce que le travail qui est présenté n'est pas trop complexe en général et qu'on essaye de faire une introduction sur ce qu'on présente, ou parce que simplement c'est quasiment gratuit. Et on ne fait pas non plus concurrence au centre culturel Escale du Nord ici à Anderlecht, puisqu'on propose en général un tout autre service. L'ambiance est sympa, donc moi je ne connaissais pas, je cherche toujours à découvrir, à creuser de nouvelles pistes. Alors ça, c'est tout le défi de la cohésion sociale. Hein. Ça fait des années, je pense, qu'on travaille dans ce quartier à différents niveaux. Et on se rend compte que même si on existe depuis 15 ans, les gens du quartier ont encore du mal à ouvrir la porte de la boutique culturelle. Et on regrette un petit peu puisque finalement nos murs sont aussi ouverts aux artistes du quartier. Je pense que ce sera notre défi d'ailleurs dans les années à venir, de pouvoir réellement s'ouvrir, offrir notre espace aux gens du quartier. C'est le moment d'interview. Nous avons rencontré Oud et l'apprendre, le jardinier écologique. Direction Népel. Chez nous, là ? Oui, de l'autre côté. Voilà, je m'appelle Aude et je me suis inscrite donc à cette formation en horticulture écologique organisée par Éco-Innovation et le CRAB. C'est une formation professionnalisante, donc on est là en fait pour être formé pour être animateur jardinier. Jardinier animateur, je ne sais plus dans quel ordre ils le disent, mais c'est ça l'idée quoi. Pour moi, l'alimentation a beaucoup d'importance. Mon alimentation, celle de ma famille, ma petite fille qui a 9 mois, qui mange déjà des panades de légumes. Je suis impliquée aussi dans un groupe d'achat solidaire à l'agriculture paysanne, un GAZAP. Donc tous ces sujets me tiennent à cœur. Et puis avec mon compagnon qui avait envie de faire un potager, on s'est lancé là-dedans, à Ytres, pendant une saison. Voilà. Pour moi, ça touche à l'essentiel en fait. Comme moi, je suis au chômage, donc l'idée, évidemment, vu que c'est un temps plein, c'est que j'ai une dispense de l'ONEM pour pouvoir avoir accès à la formation et pour pouvoir suivre la formation à temps plein pendant 6 mois sans avoir l'obligation de chercher un emploi. Voilà. Ça, c'est pour le concret, quoi. Mais c'est important, quoi, de savoir qu'on peut faire des choses comme ça. Comme c'est des projets qui sont relativement au début, on est un peu dans la réflexion, mais aussi... aussi vraiment ouais, l'action directe, préparer la terre, semer, récolter, conserver, enfin tout ça, voilà. Et maintenant, Guy va nous faire découvrir les impasses du quartier de Kurogen. Suivez le guide. C'est par là. Juste pour vous montrer le type de construction. Ça n'est pas pour vous, ça ne vous inquiétez pas. Viens voir. Donc ça, c'est typique des impasses. Hein? On est rentré par la rue du Mégissier et on rentre à l'intérieur et on voit qu'il y a une série de petites maisonnettes
qui a d'ailleurs été toute rénovée, ça veut dire que c'est encore occupé aujourd'hui, mais c'est vraiment tout à fait significatif de l'implantation déjà haut de gamme au niveau impasse, parce que des maisonnettes comme ça, avec un étage, avec une porte d'accès différente, c'est déjà un luxe par rapport aux certains types d'impasses qu'on peut montrer par ailleurs quand on fera le tour du quartier tantôt. La Seine circulant le long de ce mur, la Seine était de nouveau plus bas et on peut le voir au châssis des fenêtres qui sont trop bas par rapport à une implantation normale, donc la Seine était plus basse, là où sont rangées toutes ces voitures pour l'instant. Et alors, le long de ce mur se trouvait donc l'impasse Van Bell en question. Donc c'est ce long de ce mur qui a été refait, hein, on a mis des enduits pour ne pas montrer les traces de l'ancienne impasse. Tu connais Kik? Non. C'est quoi? C'est une garderie où les enfants font des bricolages après les Néerlandais. Ah, c'est pour les enfants. C'est bien. C'est où? C'est à Kurgen, près de la place Limons. On regarde, on repartage? Oui, on va tout de suite. Kik, c'est l'initiative néerlandophone, accueil extrascolaire pour les enfants entre 2 ans et demi et 12 ans qui vont aux écoles néerlandophones. Et donc, ils viennent après l'école, mais aussi pendant les vacances pour faire des activités, toutes sortes d'activités ici. Ces vacances de carnaval, ils vont faire des projets artistiques. Pour, en fait, à la fin de la semaine, ouvrir un musée, le musée de Kik. On va l'ouvrir donc ce vendredi, en présence de l'échevin, qui va ouvrir officiellement en coupant le ruban. Les enfants vont faire une petite chanson, une petite danse, et puis les personnes qui viennent visiter le musée pourront suivre le tour et regarder ce que les enfants ont fait pendant la semaine. Il y aura aussi des petites choses à manger. On va faire vraiment une réception officielle pour ouvrir le musée. Guitol, je suis au chômage. Tu cherches quoi comme travail? Tu ouvres un star. Pas de problème, c'est facile avec Corsair TV. Ah oui? Oui, tu peux être star de la télé sur Internet. Regarde. Mais avant ça, on se regarde le making-of de l'émission précédente avec les jeunes et sans temps. C'est parti. Vous voyez, là, quand elle sourit moins, elle a tout de suite l'air toute sérieuse alors qu'en fait, ouais. Là, à la télé, on a l'air toute sérieuse. Moi, ça reste pas. Maintenant, je sais plus ou moins comment ça se passe quand quelqu'un nous filme, comment ça se passe à la télé. À mon avis, il va falloir le refaire quelques fois. Ça m'a apporté des expériences. J'ai trouvé bien et j'ai manipulé quelque chose. Comment manier le programme, comment se tenir devant une caméra. Comment utiliser un prompteur, une caméra, etc. Je me dis que c'est très professionnel et ils ont vraiment pris leur rôle au sérieux, quoi. Mmh. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Ouais, c'était... En plus, c'était la première fois. Après, j'ai découvert que j'étais quand même... que je pouvais le faire. Donc, ça... C'est quelque chose qui était caché à moi que j'ai découvert. Mais faut arriver à la suivre, quoi. Vidéo qui s'arrive. Et c'est déjà la fin de ce numéro, mais la fête, elle continue, hein. Ouais. Alors, on se retrouve le mois prochain, donc séchez vos larmes, ne tombez pas en dépression, on se retrouve dans un mois. À bientôt.